Chez moi, enfant, ma mère joue du piano comme ça, un petit peu amateur. Mais surtout, j'avais un oncle, que j'ai toujours d'ailleurs, qui était assez jeune, on avait 14 ans d'écart, qui s'occupait beaucoup de moi. Il m'emmenait au cinéma, il m'achetait des bandes dessinées, les premiers Tintins, tout ça, etc. Et il me faisait écouter de la musique, il me faisait écouter du jazz particulièrement. C'est lui qui m'a fait découvrir le jazz, Miles, Dave Brubeck, enfin, ce genre de choses quand j'avais, je sais pas, 8 ans. Donc je prenais moi-même des cours de piano avec une prof très revêche et pas du tout engageante. Et j'avoue que quand elle arrivait, je me planquais pour réduire le temps du cours au maximum. Mais à côté de ça, toute seule, je relevais des tas de choses, j'essayais de chercher les choses par moi-même. Après, j'ai pris des cours de flûte pendant un certain temps. J'ai aussi joué de la guitare pendant plusieurs années où j'avais désespérément essayé de monter un groupe de filles, mais à l'époque... Enfin, aujourd'hui, ça me ravit parce qu'il y en a partout, mais à l'époque, c'était juste pas possible. J'avais une copine pianiste et puis je connaissais aussi Micheline Belzer. Mais bon, voilà, à part ça, il n'y avait personne. Donc, c'était surtout pour jouer du blues ou du rock. À l'époque, on ne nous prenait absolument pas au sérieux. Donc, voilà, ça n'a jamais pu se faire. Donc, j'ai travaillé ces instruments un peu toute seule, avec des méthodes qu'on trouvait. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais on achetait des méthodes et on se penchait sur la question. Pourquoi pas moi ? Je fais très bien. Wow, 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 wow. Pourquoi pas moi? Je fais très bien. C'était la pleine période yéyé. On trouvait, lui avec son regard plus adulte que le mien évidemment, mais on était bien d'accord tous les deux sur le fait que c'était nul ce qui se passait, que ça racontait vraiment rien. On se souvient particulièrement de cette chanson de Sheila, C'est ma première surprise partie, et dans la chanson, à part C'est ma première surprise partie, il y avait trois mots, il y avait mais c'est ma première surprise partie, etc. Et on s'est dit, bah, on peut sûrement faire mieux très facilement. Et donc on a enregistré quatre petites chansons comme ça qu'on a envoyées à écouter dans une maison de disques. Le critère, c'était la plus proche d'où on habitait à l'époque. Voilà, c'était simple. On n'a pas eu de nouvelles pendant 15 jours. Mon oncle est allé frapper à la porte. Voilà, on vous a envoyé une bande. Et il est tombé sur un monsieur qui s'appelait Monsieur Bernot, qui lui a dit, écoutez, vous voyez autour de vous, vous voyez, tout ça, c'est des bandes qu'on reçoit. Donc si vous trouvez la vôtre au milieu de ça, je l'écoute. Il a fouillé, il a trouvé la bande. Il l'a écouté, donc le monsieur Bernot en question, et il a dit « c'est génial », et il nous a tout de suite amené vers un directeur artistique qui s'appelait Jacques Wolfson, qui nous a signé immédiatement, qui a voulu nous signer immédiatement. Mais ce n'était pas le premier disque que j'enregistrais, parce que le premier disque que j'ai enregistré, j'avais 8 ans. À l'époque, il y avait, à Paris, des espèces de cabines qui ressemblaient à des cabines téléphoniques un peu plus grandes, où on pouvait entrer, enregistrer quelque chose en mettant des pièces, et on ressortait avec un disque souple. Et avec toujours mon oncle Maurice, à l'époque, parce qu'on s'amusait à chanter des petites chansons ensemble, j'avais enregistré, pour faire plaisir à mes grands-parents, une chanson de Jean-Claude Darnal qui s'appelait « Le tour du monde ». Voilà, ça c'était mon premier disque, j'avais 8 ans. Ils vont tous les soirs au Saint-Hilaire. Mon Dieu que c'est triste d'avoir des parents tristes. C'était un succès immédiat déjà en radio. Ça passait un nombre de fois incalculable en radio tous les jours. Beaucoup de courriers de fans, beaucoup d'articles dans les journaux. Il y avait une des chansons qui s'appelait Les parents twist, qui parlait de mes parents, qui expliquait que mes parents n'étaient pas du tout des parents lambda, et en fait c'était plutôt un problème pour moi qu'autre chose. Et mon père avait été interviewé par France Soir, à l'époque qui était vraiment le journal, le quotidien le plus énorme, et il avait eu sa photo dans France Soir. Donc il y avait effectivement une notoriété parce que ça prenait le contre-pied de tout ce qui se passait à l'époque. J'avais 13 ans, un ensemble de choses comme ça qui fait que ça accrochait beaucoup. J'avais quand même une vie un peu particulière, trépidante, et je m'amusais beaucoup, mais j'avais pas vraiment la vision de ce que c'était que ce milieu, que ce qu'on appelait le show business. Et quand j'ai réalisé ce que c'était vraiment, ce milieu, ça m'a pas... C'est pas du tout ça que j'avais envie de faire. Donc j'ai arrêté, je continuais à faire de la musique avec des copains. Jusqu'au jour où, un soir, j'étais au Requin dans le Circus, où j'étais quasiment tous les soirs, et où j'ai vu quelqu'un monter sur scène et commencer à jouer avec un gong. Et je me suis dit, ça c'est un truc pour moi, ça il faut que je rencontre cette personne, parce que là il y a un truc qui me correspond.
Donc, on va clarifier les choses. C'est pas sa sœur, c'est sa sœur. C'est sa femme, c'est pas sa femme. C'est sa mère, c'est sa fille. Donc, Christian, donc, n'est pas mon frère. Mais je suis un peu sa sœur spirituelle, voilà. Mais bon, on s'est rencontrés à cette époque. J'ai donc tout fait pour le rencontrer. Et il répétait à l'époque, c'était des tout débuts. Il cherchait des musiciens. Il commençait à répéter avec des musiciens pour monter Magma. Et je suis allée dans ce studio de répétition et on a commencé à discuter. Et puis bon, assez vite, on a vu qu'on avait des choses à partager. Et on a commencé à faire de la musique ensemble, pas tout de suite. Mais on a commencé à travailler ensemble assez rapidement. Et puis voilà, on s'est plus quittés après, quoi. J'ai fait de la lumière à un moment, au début. Je savais absolument pas faire de la lumière, mais je connaissais la musique par cœur. Donc c'est quand même un atout. Et bah, j'essayais de manager, entre guillemets, le groupe, parce que j'avais quand même mon expérience de chanteuse qui m'avait amenée à signer des contrats, à savoir un peu comment ça se passait, ce métier. Donc j'ai essayé d'éviter certaines erreurs. Et puis un jour, quand Christian a composé Mécanique et qu'il cherchait des gens pour chanter, en plus de Klaus, il auditionnait des chanteuses surtout. Et puis bah, ça collait pas, il y avait souvent des problèmes rythmiques, il trouvait pas vraiment. Et un jour, moi j'étais dans la pièce à côté et je chantais en même temps. Et il est venu me voir, il me dit « Mais pourquoi tu chantes pas ?» Je dis bah, « Je sais pas. » Parce que c'est... Voilà, il m'a dit bah, « Il faut que tu chantes puisque tu connais tout ça par cœur et voilà, tout ça se passe bien, t'as aucun problème rythmique. » Pourquoi est-ce qu'on se complique la vie ? Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à chanter. Pas tout le temps. Je ne pouvais pas être là tout le temps parce qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment des moyens de subsister uniquement avec la musique. Et donc, je travaillais à côté de ça. Donc, je me souviens, je travaillais l'après-midi, je prenais ma voiture, je fonçais quand il y avait un concert qui n'était pas trop loin de Paris. Et hop, j'arrivais, je me transformais. Hop, j'arrivais sur scène, je changeais de casquette. Parfois, j'ai l'impression de ne pas exister, ou très peu. Je me souviens de concerts où j'arrivais sur scène et Yannick me dit « Alors, tu vas faire les chœurs ?» Comme si c'était un truc totalement accessoire. Je ne me formalisais pas, j'avais envie d'être là. Et puis bon, j'ai aussi mon caractère qui n'est pas toujours facile et je sais m'imposer. Et donc je me suis imposée et au bout d'un moment, il y a des gens qui ont commencé à reconnaître que j'avais un rôle, que je servais à quelque chose, je n'étais pas là tout à fait pour rien. Petit à petit, j'ai fait ma place, mais c'est vrai que c'était très dur. Être une femme dans un groupe à l'époque, c'était très dur, pas seulement dans Magma, je pense. Je n'ai pas fait d'autres expériences, mais et il a fallu quand même s'accrocher sérieusement. Le mot patron n'est pas du tout adapté à Magma. Christian est le leader de Magma du fait de son rôle de compositeur principal et du charisme qu'il a et du fait que pendant les concerts, les gens regardent quand même, je sais pas, 75% du temps, ils regardent Christian et 25% du temps les autres musiciens, il faut avouer. Et je comprends pourquoi aussi. Mais Christian n'est pas du tout le genre de personne à dire « Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, toi, tu fais pas ci, toi, tu fais pas ça. » Christian laisse beaucoup de liberté aux gens, laisse aux gens la possibilité d'apporter des choses, d'apporter des idées, etc. Après, il prend ou il prend pas, il cadre ou il cadre pas, mais c'est pas du tout quelqu'un qui va imposer des choses. C'est pour ça que le mot patron n'est pas adapté à Magma à n'importe quelle période, je crois. Donc, Yannick amenait des choses, Christian amenait des choses. C'est toujours la musique qui parlait, qui primait. C'était pas une volonté. Christian s'est retrouvé à un moment seul compositeur dans le groupe, mais c'était pas une volonté. Il a pas voulu que ce soit comme ça, ça s'est fait comme ça. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de fourmi. De pas lâcher l'histoire jamais, de pas faire de concessions, de croire en ce qu'on fait et de se dire qu'on va y arriver. Il y a eu des moments très difficiles où Magma n'existait quasiment plus, plus personne ne voulait de Magma, il n'y avait plus de concerts. Bon, c'est peut-être un peu de notre faute, on a monté des formules parallèles comme Offering, Christian s'est remis à jouer du jazz en trio, en quartet. Donc Magma était peut-être mis un peu en sommeil aussi de notre fête.
Mais il y a eu des moments très difficiles où on n'avait plus de maison de disques, plus de manager, plus de tourneur. Et je crois qu'à l'époque, on aurait pu baisser les bras, mais on n'a jamais baissé les bras. On a monté le label à ce moment-là. On s'est dit, on n'a plus rien, on va le faire nous-mêmes. Donc de briques et de broc, avec l'aide de Francis énormément, puisque à l'époque, il y avait donc une société audio qui fonctionnait plutôt bien et qui a permis donc la création de Sevens en prêtant des locaux, en prêtant du personnel, en prêtant des téléphones. Vraiment, il a permis à ce que Sevens existe. Pour franchir le cap du très grand public, à l'époque comme aujourd'hui, il faut, non moins aujourd'hui parce qu'il y a d'autres médias, mais à l'époque il fallait passer à la télé. Et la télé, ça n'a jamais vraiment été quelque chose qui correspondait à Magma. La radio, c'est pareil, radio un petit peu plus facile, mais quand même, il faut avoir des morceaux courts, il faut que ce soit... Et surtout, il faut que les gens qui programment ces morceaux prennent leur public pour des gens sensés et capables de comprendre, et non pas pour un public qui est absolument inéducable. Voilà, on nous a souvent dit ça. On peut pas vous passer en radio, vous comprenez, c'est magnifique la musique que vous faites, mais les gens ne comprendraient pas, c'est trop compliqué pour eux. C'est ridicule. C'est ridicule. Christian donnait toujours l'exemple de faire écouter du Stravinsky à. Il disait à l'époque à la concierge, aujourd'hui ça n'existe plus les concierges. Mais c'est sûr que si tous les jours à la radio, au lieu d'entendre je ne sais pas quelle chanson à la noix, pardon, on passait du Stravinsky ou du Mozart ou du Beethoven ou du Magma ou plein d'autres choses, les oreilles s'éduqueraient de la même manière. Je ne sais pas pourquoi les gens qui sont aux commandes s'imaginent que le public n'est pas capable de comprendre. Nous, on a vu des gens très très simples venir nous voir après les concerts, mais vraiment des gens nous dire « on ne comprend pas où vous voulez en venir, mais ça nous touche ». C'est tout ce qui compte. Une envie de jouer des morceaux qu'il avait composés, qui n'étaient pas forcément adaptés à la formation de Magma, qui nécessite ni de guitare électrique, ni de basse électrique, ni de batterie. C'est pas seulement le pendant acoustique de Magma, puisque bon, la musique de Magma au départ elle est acoustique, hein, c'est d'abord un piano et une voix. Ça veut rien dire d'opposer ça. C'est totalement complémentaire pour moi. C'est une manière de recommencer à improviser aussi, parce que dans Magma, il y a toujours eu des places pour des chorus, mais c'était quand même relativement cadré. Là, au début d'Offering, c'était vraiment, vraiment, vraiment totalement ouvert. Après, ça s'est recadré un peu plus. À partir de ce moment-là, Christian m'a confié un rôle de soliste que je n'avais pas avant, puisque c'était Klaus le soliste. Pour moi, ça a été vraiment important, parce que même si ça n'en a pas l'air, toutes les années Magma, j'avais toujours je sais pas comment expliquer, une barrière que j'arrivais pas à passer dans mon expression vocale. Et puis à partir d'Offering, j'ai pu complètement me libérer et faire tout ce que j'avais dans la tête, j'ai pu commencer à l'exprimer à partir d'Offering. J'ai fait ces albums parce qu'il y avait de la musique que j'avais envie de chanter, tout simplement, qui était ni adaptée à Magma, ni adaptée au Offering. Et puis, j'avais aussi la possibilité, du fait qu'on ait un studio, etc., de pouvoir me faire plaisir. C'est avant tout pour me faire plaisir. Et voilà, c'est tout. Ça, c'était pour le premier. Pour le deuxième, j'ai fait ça en 2004. J'ai réalisé à cette période, en 2004, que c'était les 40 ans de... mes 40 ans de chansons, puisque j'avais enregistré mon premier disque fin 63, il est sorti en 64. Donc je me suis dit, quand même, pour 40 ans de carrière, tu peux peut-être te fendre un petit peu. Donc j'ai fait ce deuxième album. Passage du Nord-Ouest, c'est un album live, avec le même répertoire que de l'époque. Et là, je travaille sur un album que j'aimerais bien pouvoir enregistrer l'année prochaine, si on a le temps. Quand on arrive ici, on a vraiment l'impression d'arriver chez nous.
C'est... Et puis, quand on a une idée, on la soumet à Jean-Pierre, on sait qu'il va s'y intéresser. Il ne va pas forcément dire oui à tout, ce n'est pas du tout ça l'idée. Mais il va s'y intéresser, il va donner son avis, un avis éclairé la plupart du temps. Toute l'équipe ici, toutes les équipes, je dirais, parce que depuis le temps, c'est vrai qu'on a vu passer beaucoup de monde. C'est toujours des gens compétents, charmants. Le public aime bien venir ici parce qu'on est vraiment proche. On est accueilli comme dans aucun autre club à Paris, il faut l'avouer. C'est pour ça qu'on ne joue pas dans d'autres clubs à Paris. Et... Donc, pourquoi on se priverait d'un compagnonnage comme ça ?